Bonsoir les amis, c'est StarTix en compagnie de EnderKev sur le Fantavoboard. Oui, je suis sur le Fantavoboard, mais dans 2 mois, je ne pourrai plus me connecter. À part si je rachète le serveur. Ouais. Ouais. Ce qui est peu probable. Mais c'est bon, tu peux y croire quand même. Oh, un gibier. Fermé en 2 mois. Ouais. Normalement, tu vois, normalement il devrait fermer. Après, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va le racheter parce que, quand même, c'est. Mais s'il rachète le serveur. Un serveur qui ne tourne pas. Un serveur qui tourne pas. Oui, mais est-ce qu'il y aura l'IP dessus ou pas? Il y aura l'IP. Parce que ce serait play.fantomworld.quelque chose. Bah pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas play.fantomworld? Parce que normalement, l'IP c'est lié à un truc assez compliqué et tout, je sais plus trop à quoi. Oui, mais peut-être que c'est des serveurs qu'ils ont acheté, enfin loué plutôt ailleurs. Oui. Allez, après, je veux pas non plus que ce soit trop cher le serveur de gros. Enfin, j'ai envie de l'acheter, mais je crois que je peux juste pas. Oh oui, tu peux pas, mais voilà. C'est en fait, c'est surtout Fanta qui a le serveur qui paye le serveur. Et hop là, kill. Oui. Lui, il s'occupe, il paye rien, il s'occupe de rien en fait. Oui, bah, et c'est ça le problème. C'est vrai que Bob rachète le serveur. Et Bob, il veut pas s'occuper? Bah Bob, il s'est jamais occupé d'argent quoi. Il a toujours fait ses vidéos, c'est Fanta qui s'occupait des factures. Attends, mais là on part direct en conversation, mais on a oublié de dire à quoi on jouait là. Ah merde. C'est du cache-cache sur le Fantaboard. C'est pas cache-cache qui n'existera plus dans 2 mois. Mec, mais c'est bon là. Hey, pour l'instant il est encore là, du coup rigole un peu. Oh, Charbien, j'ai tué un chasseur. Tu vois, EnderKev a tué je sais pas qui. C'est une bonne nouvelle. Oh, damn! Toi, t'es quoi? T'es un animal? Plus maintenant. Super drôle. Ah. Salut, petit mouton, je t'adore. Et hop là. C'était. Du coup, comme StarTix avait créé sa chaîne pour, enfin, avec l'exemple de Fanta. Je tape pas. Fanta. Mec, je tape un gibier au cas où. Enfin, au cas où. Je tape, oui. Je tape un gibier aléatoire comme ça. Je lui, allez, j'ai envie de frapper ce petit cheval. Et boum, bien sûr, je précise que aucun animal a été martyrisé en vrai dans cette vidéo. Voilà, c'est tout important à préciser. Mais ouais, du coup, je t'ai un peu coupé dans ton truc. Tu disais quoi? Voilà, comme tu t'es inspiré un petit peu de Fanta pour créer ta chaîne YouTube. Oui, c'est surtout lui qui m'a lancé, mec. C'est lui qui a donné la motive, qui m'a. Voilà, c'est Fanta, c'est ma vie. Et comme Fanta arrête YouTube, et ben tu vas arrêter ta chaîne YouTube. Non, justement, je continuerai à faire des vidéos en l'hommage de Fanta. C'est qui le bâtard? Alors, qui m'a tiré dessus? Attention. Oh non, bonjour, j'ai été aveuglé par Felicity 13. C'est-à-dire que tu te prends plus aspiration sur Fantin, mais sur Bob. Oh, je l'ai vu. Ouais. Attends. Mais tout le temps, voilà, c'est bon. Non, dégage, c'est bon. En gros, mec, gros bâtard. Je hais les Oslo parce que leur intelligence artificielle c'est de courir dans tous les sens et ça c'est plutôt c'est cher et c'est génial. Et pour toi ouais. Oh, il y a un gars qui est la partie. Ouais, du coup, à la base, je fais des vidéos, enfin. Et aussi, surtout j'aime bien. Et c'est Fanta qui m'a donné envie, oui. Ce que tu m'avais dit aussi, c'est que tu voulais faire une vidéo avec Fanta et Bob. Genre au tout début de la création ou un truc comme ça, je sais qu'à un moment donné tu m'avais dit. Oui, ça. Je sais, mais ça veut pas dire que c'est plus possible. Et pourquoi ça serait encore possible? Bah, si je les trouve quelque part, si je les rentre. Ah, il y a des TNT partout là, pour moi ça devient vraiment chaud. Je suis dans un lieu où il y a des TNT qui explosent partout donc. Ah, ok, tu m'avais donné les indices. Ou pas.
Mais bien sûr. Oui, mais c'est sûr, mais en tout cas, je compte bien en rencontrer un des deux au moins, tu vois. Enfin, j'aimerais vraiment rencontrer Bob, mais bon. Après, c'est pas peut-être tout de suite. Oh non ! Yes ! Tu t'es fait avoir par qui ? Attends, j'ai... Ah ouais, j'étais le... J'ai 0,600001 skill point. C'est quoi ce truc ? Mais en fait, j'étais le dernier truc. Je crois, hein. Moi, okay. Ça. Par contre, du coup, avant je regardais quand même beaucoup de Fanta et pas énormément de Bob. Je pense que je regardais beaucoup plus de Bob maintenant. Bah, elle sans blague, ouais. Non, attends, je pourrais plus regarder de Fanta. Hop là. Ouais, du coup, bah, voilà. J'imagine que ça va attendre longtemps, du coup, pour que le truc se remplisse, mais bon. Ouais, en fait, j'aimerais bien... Mais t'inquiète, ça va être très long. Ce que j'aimerais bien, c'est pas payer le serveur, mais plus récupérer les données du serveur pour... Un jour, recréer un serveur avec un mode, non. Avec un mode, non, tu dirais un plugin, non. Mais je croyais qu'on peut pas avec un mode, oui. Genre télécharger. Si, un mais peu, tu télécharges la map. Avec un crack ou. Oui, voilà. Si, tu télécharges la map, mais pas le plugin à l'intérieur. Et ouais, du coup, bah, j'aimerais bien juste récupérer les données pour comme ça, un jour, quand j'aurai assez d'abonnés, genre, allez, soyons fous, disons que j'en aurai 10 000 ou un truc comme ça et j'en aurai peut-être 5 000 actifs. D'ailleurs, je compte sur vous pour vous abonner et être actif, hein. Après vous faites ce que vous voulez, je veux pas vous obliger, mais si ma chaîne vous plaît, bah abonnez-vous et soyez actifs, c'est tout le temps sympathique. Moi ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, bah ça fait plaisir à tout le monde. Et bah du coup ça veut qu'est-ce dire qu'on que pourrait... c'est ouais. qui on pourrait embaucher. On pourrait embaucher donc les constructeurs des Phantom Board comme Tommy et, et le Tommy, mec qui Billy, fait des stuff, Maxi Bestuff. Et aussi, ouais. j'ai trouvé un nouveau job. Un youtubeur. Tu vas remplacer Fanta. Oh mon dieu. Ouais, je vais être chaud. Tu vas tourner des vidéos avec Bob. Sur chaîne Fanta Bug. Le problème, c'est comme t'as pas regardé la vidéo, Fanta a dit, ou Bob a dit aussi, a dit qu'il ne voulait pas de remplaçant. Mais oui, mais mec, surtout qu'une personne, ça se remplace pas, mec. Ça se remplace juste pas, tu vois. Parce que t'es vraiment un connard, mais même là, enfin, ça se remplace juste pas une personne. Est-ce que tu imagines si Fantin voyait ta vidéo? Imaginons que ce soit. Imaginons que ce soit le cas. Parce que pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Oui, bah oui, ça risque. Enfin, j'ai pas envie de dire ça risque pas parce qu'il y a toujours une possibilité que oui. À part que non, en fait, parce qu'à mon avis, il regarde pas du tout de Minecraft, donc il peut pas tomber sur les miennes. Mais imaginons qu'il tombe dessus. Eh bien, bah. Coup Fanta. Et voilà, c'est la seule chose que je trouve à dire, voilà. Mais bon, après... Mais c'est pour ça que tu dis qu'il regarde plus Minecraft, c'est pour ça qu'il faut aussi te diversifier. Oh là là, mais oui. Et oui, oui, je et veux, oui. Mais oui, mais en fait, tu vois, il y a The Fantasio 974, c'était The Fantasio 974, c'était une chaîne de Minecraft, que de Minecraft. C'est dur quand même de dire. Ah bon. Et Phantom Game c'était une chaîne que de gaming, pourtant ils ont sorti une vidéo Minecraft dessus. Et The Phantom Game 4 ils ont sorti du Cause Toujours dessus. Ils ont sorti des lives. Oui mais c'est pas un jeu le Cause Toujours et les lives non plus. Alors, voilà. D'ailleurs il va arrêter le Cause Toujours aussi. Bah oui. Putain j'avais pas pensé à ça. Moi c'est le premier truc auquel j'y ai pensé. Non moi je pensais plutôt du coup, aux je séries te propose... Minecraft mais. Enfin j'aurais voulu tu vois faire une vidéo dessus pour rendre hommage etc. Mais maintenant du coup bah vu qu'il y a... Si tu fais une vidéo dessus pour rendre hommage et aussi sur le serveur Minecraft et sur le Phantom World. Enfin le Phantom World il est pas encore fermé et c'est pas encore sûr qu'il ferme. Ah mais non mais... Vas-y on va sur le vampire, il y a tout le temps des gens. Le vampire vit. Bon c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'en vampire en général c'est mort. Mais dans ce cas là le vampire il vit. C'est pas mal ça. Voilà mais ouais racheter le serveur... Très cool, mais à mon avis, je suis pas le seul qui a eu l'idée de le racheter le serveur. Ah bon? Ouais, t'imagines, il y a Trump qui regarde sa vidéo. Ouais. T'es pas le seul non plus à pas avoir l'argent de le racheter. C'est sûr. Je suis sûr qu'il y a des tonnes de gens qui le font. Tu sais que la vidéo de 9 minutes de Fanta, elle est en tendance 4. J'ai vu. Mec, j'étais dans le bus et tout, j'ai checké le tout, là j'ai vu tendance 4. Actifs qui d'un coup deviennent actifs. Mais c'est surtout, mec, ça a flashé tout le monde, tu vois. Genre YouTube a reconnu que c'était un truc grave et qu'il fallait absolument le mettre en tendance. D'ailleurs ça m'étonne que c'est pas en tendance 1.
parce que ça, ça devient très grave quand même. Dans Tendance 1, il faut avoir mis une grosse flèche rouge, tout ça quoi. Ah non, pas forcément. Maintenant, mec, mais... attends, tu veux faire du putaclic sur tes vidéos, mets la tête de Fanta. ouais, bah écoute, bah je la mettrai dans cette miniature, enfin si j'y arrive en tout cas. Ah, je suis rien. Mais je trouve ça triste parce que Fanta c'est vraiment mon... c'est mon youtubeur préféré et... je crois que c'était Bob. Fanta et Bob, voilà. Et... et du coup ça me fait mal de... enfin, je comprends qu'il arrête, mais ça me fait juste mal, mais je veux pas qu'il... enfin en fait, s'il a envie d'arrêter, je veux pas qu'il se force à continuer. C'est-à-dire je comprends très bien qu'il veut arrêter. Ça me fait juste un peu mal, mais je comprends. Et je fais que de comprendre et bah je lui dis bah faut qu'il fasse ce qu'il veut faire et qu'il, que je cette bonne continuation dans la suite de son histoire. Voilà. Je sais que t'as pas vu la vidéo. Je l'ai pas vu, oui. Je vais le dire, tu n'as pas vu la vidéo. Je l'ai pas vu. Et t'as ressorti les mêmes arguments que Bob. Ah. Ah. Exactement les mêmes arguments. Bob a dit exactement la même chose. Ok. C'est quand même... bah c'est cool, au moins on est du même opinion. Voilà. Faudrait que je regarde la vidéo, 30 minutes et tout, ouais, genre ce soir, tranquille. Sous le lit, et on chialer. Et que tu fasses, la vidéo hommage. Ah oui, hommage Lifecraft. D'ailleurs, grosse coïncidence les gens. Lifecraft ferme, et quelques semaines plus tard, Fanta ferme sa chaîne. C'est lié, moi je dis. Moi je vois un lien concret. Si ça se trouve, c'était Fanta, c'était le créateur de Lifecraft et du Fanta World. Et donc, bah c'est tout. J'allais partir dans un truc hyper grand, mais non, en fait, au final, c'est tout en fait. C'est le même créateur. C'est triste parce que Lifecraft c'était mon serveur préféré. Ah bon, c'était pas le Fanta World? Non, c'était le Lifecraft. Lifecraft, j'avais toute mon histoire dessus. C'est là où j'étais Kikou. C'est là où je me suis amélioré. C'est là où j'ai vu dans Minecraft. C'est là où j'ai ressenti des émotions dans Minecraft. Et plein d'autres choses. Et au final, bah maintenant, c'est Deadcraft. T'as compris? Oui, oui. Voilà. Bon, du coup, faut que je lise un peu le chat parce que... à fond dans l'histoire là, mais, le reste, mais est-ce que les gens qui sont sur le serveur là, qui sont connectés, qui font une partie de Vampire avec nous, sont au courant? On va leur demander. Voilà, c'est... Non, ouais, enfin il ferme pas vraiment sa chaîne, il arrête sa chaîne. La chaîne, il est pas obligatoire de la fermer, puisque... puisque, bah, je sais pas payer. Par contre, le serveur, il coûte de l'argent. C'est la différence. Je crois que tu peux partager un lien, non, sur Minecraft. Non, tu peux pas, je sais pas. Voilà, il peut plus payer le serveur, le mec il a compris. Enfin non, c'est toi justement qui a compris, j'ai pas lu le pseudo mais c'est toi. Le mec il a compris. Vas-y, c'est bon, il a compris qu'il peut plus payer le serveur. Je sais pas si Bob va vouloir le payer. Forcément, je dirais que non, parce que Bob en fait il fait pas de Minecraft du coup. C'est toi qui s'occupe pas des paperasses. Oui, votez-moi. Oui.
Et lui aussi, je voulais rajouter un petit truc là, comme il n'y a pas une grande conversation à part dans le chat. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de votes sur la vidéo Fortnite. Si, si. Eh mec, j'ai reçu un commentaire aujourd'hui, genre un type qui disait... Ah bon? Bon, ici, regarde cette vidéo, je suis désolé pour lui, mais j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, il dit, ouais, continue le Fortnite. Ah bah alors, c'est bien. Ça fait au moins 30 personnes qui sont pour que tu fasses du Fortnite. En même temps, Fortnite, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent refuser. J'écris RIP, mais je voulais écrire RIP. Ouais. Ah putain, j'ai même pas remarqué qu'on votait pour toi, j'étais pas du tout... Je suis pas du tout dans le jeu, moi. Ah, merci. Mais je sais pas. Il y a son pote qui meurt devant ses yeux. Ah merde, j'étais pas au courant, non. C'est un peu ça, j'ai pas regardé, mais maintenant je suis au courant. Je pensais à autre chose. L'autre est... j'ai pas vu, t'es mort. C'est un peu ça, ouais. Bon, je vais pas me plaindre parce que j'ai rien dit. Ouais, c'est vrai que tu t'es pas vraiment manifesté. Ouais, j'écrivais dans le chat et tout, mais bon. Oui, j'ai sauvé quelqu'un qui voulait se suicider. Sauf que moi, en fait, le chat, je lis rarement les pseudos, comme t'as pu le constater. Ouais. Bon, alors. Bah maintenant que tu meurs, je peux te dire mon rôle, hein. Ou alors essaye de deviner mon rôle. Moi je dirais que c'est vampire, un truc dans le style, non? Non, je suis pas vampire. Et le comment s'appelle là, le petit mec dans la cage? Non, pas le petit mec dans la cage. Villageois? Oui, exactement. Ok. Je suis villageois. Bon, revenons du coup à la conversation qu'on était, enfin c'est une conversation qui part un peu dans tous les sens, mais c'est pas très grave. Non, c'est j'ai rejoint le Discord de Lifecraft. Ah, cool. Et du coup? Et du coup j'en ai profité pour aussi rejoindre des Discords que j'ai pas pris le temps de rejoindre avant, comme celui d'IPR ou trucs comme ça. Moi je suis dans celui de Fuse. Ah, ouais, oh, j'aime pas Fuse. Clairement, ouais, je peux vous donner mon avis. Ah oh, non. J'ai même pas vu qu'il y avait un vampire qui était rentré chez moi. Il est tellement à fond dans ses pensées. Bah écoute, ok. Bon bah alors... Bon allez, nouvelle partie. Attends. Ah. Hop. Non, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, disons la fin de la première partie de la vidéo, car elle était trop longue, j'ai dû la couper en deux. Bien sûr, vous en doutez, là c'est StarTix du montage qui vous parle. Donc la partie 2 devrait sortir normalement dans peu de temps après cette vidéo. Et j'espère que la première partie vous aura plu. De toute façon, vous l'aurez remarqué, on parle beaucoup, mais c'est surtout une vidéo hommage où on explique un peu, enfin, voilà ce qui se passe et on donne nos opinions. Donc voilà, j'espère que ça vous ne vous emmerde pas trop, mais ceux qui écoutent ça en ce moment, c'est surtout que ça les emmerde pas, j'imagine. Tous les autres, ils se sont cassés. A plus!